Monsieur le directeur, bonne nouvelle. Les Angara nous ont ouvert une ambassade sur Aya. C'est une surprise. Quelles sont leurs attentes ? Ils ont survécu au fléau et au Kert, et ils ont reconstruit leur civilisation. Ne l'oubliez pas. Attiser leur fierté, alors ? Ce serait une idée sensée. Je vais rassembler des émissaires et les envoyer sur Aya. Merci, pionnier. On s'occupe du reste. Je suis dans le module d'évacuation, comme d'habitude. Au moins, on a réussi à sauver la Moshai. Si seulement on avait pu en sauver plus. Anomalie détectée. Qu'on sait sur cet endroit, à part que c'est le refuge d'exilés du Nexus. Un groupe d'exilés a appelé les insurgés à libérer Port Kadara des Kert, avant d'y asseoir un pouvoir absolu. Récemment, le port a vu naître un nouveau gang, le Collectif, composé d'ordures en tout genre et dirigé par un certain charlatan. Avec un peu de chance, ils seront trop occupés à s'entretuer pour nous remarquer. En orbite autour de Kadara. Ordre à tous les vaisseaux entrants. Un cessez-le-feu a été décrété dans le port par... Appel entrant, je vous le transfère. Il y a du nouveau concernant notre espion, Van Terrel. Rendez-vous au champ de Krala. Le nom de code de votre contact est Shenna. Shenna. Compris. Très accueillante, cette ville. Les exilés sont passés aux choses sérieuses depuis la révolte. Faut avouer que c'est pas si mal pour des gens qui se sont fait virer de la station la queue entre les jambes. On pourrait être les ralliés à notre cause. Ils savent combattre les cartes. Notre fournisseur attend. Venez, on va être en retard. Est-ce que j'ai envie de savoir ? Non. Comment on est censé survivre dehors ? C'est pas mon problème.
vous ne valez pas mieux que le Nexus. C'est pas notre faute si vous n'avez pas payé vos frais. Sloan ne dirige pas une œuvre de charité, bordel. Hey ! Va chier. On commande, on paie. J'ai dit... On dirait que vous attendez quelqu'un. J'ai le temps pour un petit verre. Shena, mais appelez-moi Reyes. Je déteste les noms connes. Je m'attendais à quelqu'un de plus... Angara. La Résistance me paie pour lui fournir des informations. Entre autres choses. Vous faites de la contrebande. Votre homme, Ven Terev, a été arrêté par Sloane Kelly. La chef des insurgés. Ce qu'il a fait à la Moshae a fini par se savoir. Le peuple veut qu'il soit exécuté, et Sloane, disons que c'est une femme du peuple. Moi, ce genre de femme, j'appelle ça une criminelle. Vous travaillez pour l'Initiative. Sloane faisait partie de la révolte du Nexus. Je doute qu'elle abandonne Ven facilement. Elle acceptera peut-être un accord. Vous savez, il y a peut-être un autre moyen d'accéder à Ven. Occupez-vous de Sloane. Je vais voir la Résistance. Comment je vous contacte, si ça dégénère ? Eh, hey, c'est pas gratuit. Gardez la monnaie. J'y compte bien. Sam. Parle-moi de Sloane Kelly. Avant de devenir chef de la sécurité sur le Nexus, Mademoiselle Kelly servait dans l'Alliance et jouissait d'une réputation quasi irréprochable. Quasi ? Elle a été impliquée dans plusieurs altercations avec d'autres officiers. Une tête brûlée. Génial. Pas d'entourloupe. Concentrez les défenses là et là. Les Kertes se font bien trop discrets. Quoi ? Vous devez être Sloane Kelly. Je suis... Je sais qui vous êtes. Alors ? Qu'est-ce qui amène un pionnier dans notre humble port ? Ven Terev. Ça vous dit quelque chose ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Franchement. J'ai besoin de lui pour infiltrer un vaisseau amiral Kert. Vous avez visiblement une dent contre les Kert. Je vous rends service. Kadara est un port Angara. Eux, ils veulent la peau de Ven, et moi, je veux leur faire plaisir. C'est plus qu'une question de politique locale. Vous n'avez pas besoin de Ven. Juste de ses infos. Vous n'avez qu'à lui parler avant que je plante sa tête sur une pique. C'est à la Résistance de juger Ven. Pas à vous. Je n'ai pas le temps pour vos débats de moralité. Au revoir. Votre Altesse. Ne me cherchez pas. Ça s'est pas passé comme je l'espérais. Monsieur Vidal a peut-être eu plus de chance. Pionnier ! Par ici !
Alors, vous vous êtes fait une copine? Je crois qu'elle m'aime bien. Vous en faites pas. J'ai une solution pour vous. Laissez-moi deviner. Il y a une contrepartie? Rien de bien nouveau. Souvenez-vous, Ephra veut Ven en vie. Quand vous serez à l'intérieur, donnez-lui ça. Ça rongera le matériau qu'il retient prisonnier, sans laisser de traces qui pourraient nous incriminer. Un agent de la Résistance sera là pour récupérer Ven. J'espère que les infos de Ven en valent la peine. À vous d'en juger, pas moi. Il y a un puits de maintenance juste au coin. J'envoie le code d'accès à votre Omnitech. Vous pourrez entrer par là. Ensuite, à vous de jouer. Merci. Vous me sauvez la vie. Celle de Ven, surtout. Quand vous aurez terminé, venez au Tartarus. Je paierai ma tournée. Promis. Je dirais que ça mène à une réserve. Sam, il y a quelqu'un là-dedans? Je ne détecte aucune signature thermique. La voie est libre. Vous voulez quoi? Le vaisseau de l'Archonte. Où il est? Nouvelle stratégie d'interrogatoire. Sloane se laisse aller. C'est Ephra qui m'envoie, pas Sloane. Répondez-moi, et je pourrai vous ramener à la Résistance. Pour qu'ils m'enferment à leur tour, c'est ça? Ven, après votre trahison, vous avez de la chance qu'Ephra veuille de vous. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas d'être un bourreau. Le vaisseau de l'Archonte, où il est? Je ne l'ai jamais vu. Je recevais mes ordres d'un transpondeur Kert. Mais sa fréquence pourra certainement vous permettre de localiser l'Archonte. Vous l'avez toujours? Je l'ai enterré à l'extérieur de la ville avant qu'on m'arrête. Il doit encore y être. Votre porte de sortie. Un contact de la Résistance vous attendra. Vous ne voulez pas savoir pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai trahi la Moshei? Je vous écoute. On n'est pas de taille contre les Kert, mais Ephra continue de mettre mes frères et sœurs en danger pour protéger une vieille femme inutile. Alors, vous avez pris les choses en main. J'ai fait un choix difficile. L'Archonte voulait seulement la Moshei. Je me suis dit qu'en la lui donnant... J'ignorais ce que les Kert faisaient subir à mon peuple. L'Archonte s'est servi de votre rancune envers Ephra contre vous. Si Ephra était un meilleur chef... Bref, peu importe. Et j'en assume les conséquences. Pionnier, le transmetteur est enterré à l'extérieur de la zone de cessez-le-feu. Je vous conseille d'y emmener une unité. Vetra, Brak, vous avez terminé ce que vous faisiez? Ouais. Notre affaire parfaitement légale s'est déroulée sans accroc. C'est l'avantage d'avoir un Krogan à ses côtés. Dites à Guild de préparer le nomade. Il faut que je sorte de la ville.
Qu'est-ce qu'il y a, Ryder? Pourquoi cette réunion en urgence? Ça ne vient pas de moi. C'est moi. J'ai reçu une nouvelle inquiétante quand on était sur Kadara. Il y a des tensions à la colonie Krogan sur Eladen. Ça se présente mal. Des tensions chez les Krogan? Sans blague. Je vous ferais pas perdre votre temps avec ça si c'était pas important. Il faut qu'on y aille. Je suis d'accord. Nakhmor Morda s'est autoproclamé chef suprême de la colonie. C'est bizarre. Non. Notre priorité, c'est l'Arconte. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Jal a raison. Je sais que c'est frustrant d'avancer à l'aveugle. Mais il faut qu'on apprenne à s'écouter. Puisqu'on en est aux propositions, j'ai entendu des hors-la-loi sur Kadara parler d'activités dans le système Remav. Sans blague. C'est le système où devait se trouver le monde en or turien. Remav? Il n'y a aucune planète viable là-bas. Seulement un champ d'astéroïdes et des exploitations minières dirigées par des criminels. Il paraît qu'Eladen est pas mal dans le genre. Pleine de charognards qui n'ont rien à perdre. Merde. Y a pas plus tenace que des gens qui n'ont rien à perdre. Il faut encore qu'on trouve le transpondeur Kert, qui nous mènera au vaisseau de l'Arconte. Je suis d'accord. J'ai hâte de mettre la main sur le vaisseau de l'Arconte. Et ensuite, avec un peu de chance, sur Meridian. Bref, transmettez les coordonnées d'Eladen et de son monde en orturien potentiel à Kalo. Mieux vaut que toutes nos options soient opérationnelles. Hé hey, je n'ai pas dit que la réunion était terminée et que vous pouviez disposer. La réunion est terminée. Vous pouvez disposer. Hé, hey, je peux vous voir à l'infirmerie. Alors, Kalo, qui est cette femme avec qui je vous vois tout le temps sur le Nexus? Quoi? Qui ça? Vous êtes toujours à court de crédit quand on revient. C'est à cause d'elle? C'est... compliqué. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Ce serait plutôt joli sans l'eau en flamme. Ni les exilés, ni l'odeur. Bon, Sam, montre-moi ce qu'on a là. L'eau de Kadara est chargée de sulfure, des minéraux dont l'oxydation produit des cours d'eau et des lacs toxiques. De toute façon, je suis pas vraiment fan de baignade. Non mieux. Même les boucliers du nomade ne supporteraient pas les propriétés corrosives de cette eau. Ces monolithes suggèrent la présence d'un caveau qui pourrait réduire l'acidité. Cependant, des hors-la-loi, des pirates et d'autres exilés peu recommandables vivent dans les collines de Kadara. Plus vous vous éloignerez de la montagne, plus ce sera dangereux.
C'est bon à savoir. On se met en route. Même l'eau ressemble à une plaie purulente qu'aucun traitement ne peut soigner. Vous voulez que je vous renvoie sur la tempête ? C'est possible. J'aime bien votre fusil, Jal. J'y ai apporté quelques modifications personnelles. C'était une arme Kert, avant. Maintenant, elle l'est due pour moi. Chez nous, les gens donnent parfois un nom à leur arme fétiche. J'appelle celle-là une Darave. Les exilés ont l'air bien installés. Ils vont pas être ravis de nous voir. Joli travail. Regardez Port Kadara là-haut. C'est comme si les exilés jouaient au roi de la montagne. La reine de la montagne, plutôt. C'est un parc éolien ? C'est sûrement ce qui alimente Port Kadara. Ce camp n'est pas répertorié dans les archives des insurgés ni dans celles du collectif Denier. D'autres IA comme ça. Pionnier, Ven Terev disait avoir enterré le transpondeur Kert près d'ici. Je l'ai. Il est bien amoché. La source d'alimentation du transpondeur est épuisée. Il faut qu'on le recharge. Une fois allumé, Gil s'occupera du reste. Quand il fonctionnera, il devrait nous fournir la position de l'Archonte qui nous permettra à son tour de trouver celle de Meridian. Un pas de plus vers notre installation dans Eleus. Merci pour la note d'optimisme. Pionnier ? On vient de nous prévenir qu'il y a eu un meurtre à Port Kadara. Un meurtre ? On devrait mener l'enquête. Oui ! Quelle planète merveilleuse ! J'espère qu'on y restera pour toujours. Vous êtes en excellente forme physique, Cora. Vous vous démarquez du groupe. Merci. Je ne pensais pas que vous faisiez attention à ça. L'esprit a ses raisons que la raison ignore. Thank you.
machine a été signalée par les insurgés et le collectif comme volée. Attendez-vous à des hostilités. J'ai l'impression que des hors-la-loi vont nous tomber dessus d'un moment à l'autre. S'ils amassent toute cette camelote, ces hors-la-loi n'ont pas de faction. Restez sur vos gardes. Bon moment pour une mission de terrain. Quelle est votre tactique, Jal? Je tue l'ennemi avant qu'il me repère. Je dois en changer. Non. Ça ira. Il n'y a rien sur cette planète qui ne soit pas pointu. Vous et Ryder, vous n'hésitez pas à vous déplacer, à découvert. Il le faut bien. On est là pour explorer. J'ai du mal à m'y faire. Ça fait des années qu'on se cache des Kertes. Un jour, on les détruira. Le plus tôt possible. J'y compte bien.
est prêt à vous parler du transmetteur Kert. Il vous reste des PVA à dépenser, pionnier. Dans l'armurerie. Je suis dans la cuisine. Pensez quand vous aurez le temps. Gil, voilà le transpondeur Kert. C'est avec ça que l'espion recevait ses ordres. Quelles infos il faut qu'on en tire? L'emplacement de l'émetteur. Ça devrait nous donner la position du vaisseau de l'Archonte. D'accord. Vous pensez pouvoir trouver un moyen? J'étudie toute la technologie Kert qu'on trouve depuis le début. On a peut-être changé de galaxie, mais les lois de la physique restent les mêmes. Il n'y a pas 36 façons de communiquer dans l'espace. Voilà, faites un essai. Attendez, vous avez connecté le... Merde, éteignez ça! Faites gaffe, c'est une ligne directe vers des types qui veulent massacrer tout ce vaisseau. Sam? J'ai les coordonnées. Le signal vient du système Tafeno. On tient vraiment à faire ça? Je sais qu'on est encore en train de prendre nos marques, mais je vois pas d'autres possibilités. Je savais que partir pour Andromède serait dangereux, mais bordel! Ça, c'est vraiment dangereux! Seulement si on se fait tuer.